Bonjour les amis francophones, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo « Déprogrammer vos croyances limitantes ». Et tout d'abord, quelques exemples de croyances limitantes que vous pouvez avoir. Quand vous vous dites « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne vais pas y arriver »,« je ne peux rien y faire », »,« ce n'est pas de ma faute ». Vous voyez ce genre de phrases que vous pouvez vous répéter et qui finalement freinent votre action, freinent votre motivation et ont un effet très important sur votre estime personnelle. Parce que quand vous vous dites des phrases comme ça, c'est difficile de renforcer sa confiance en soi. Vous êtes bien d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes confronté à ce type de croyances? Eh bien, on s'aperçoit déjà qu'il faut déjà les conscientiser, ces croyances. Parce que souvent, vous apercevrez qu'elles sont inconscientes. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est de les mettre à jour, de les conscientiser, ces croyances. Et de cette manière, déjà, quand vous en prendrez conscience, vous saurez de quelle manière vous avez à agir par rapport à cela. Alors, un outil très pratique que je vais vous inviter à utiliser. Je vous invite à utiliser soit un bloc, soit un cahier, soit un carnet, ce qui vous convient, ce que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser. Et sur ce cahier, ce carnet, ce bloc, ce que vous voulez, vous allez prendre une feuille et vous allez la couper en deux. La séparer en deux. D'un côté, vous mettrez les croyances limitantes que vous avez et de l'autre, vous mettrez les croyances aidantes que vous souhaiteriez avoir pour remplacer ces croyances limitantes. Déjà, ce travail-là va vous permettre de mettre à jour ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez obtenir comme croyance. Ça sera déjà un travail de clarification qui vous sera très utile pour pouvoir avancer, pour pouvoir également atteindre plus facilement vos objectifs. Voilà, alors donc je vous invite à faire d'abord ce travail et je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.